La police nationale d'Haïti dans Efoli t'a arrivé débloqué terminal va report au prince qui t'est kebe en otage depuis plus passé un mois par Genève en famille et allié Mayoun Maetout. Mesdames et messieurs, après plusieurs heures côté au paquet coup de balle tap chanté, la police nationale d'Haïti réussit prend central Vareux. Jodi à la primature écrit une note pour capable féliciter la police nationale d'Haïti. Ensemble avec moi, nous prenons connaissance de note ça. Mais qu'est-ce qui a posé? La police arrive prend central là sans bagay pièce arrestation, sans bagay pièce moun ki blessé. Qui ça qui passé exactement? Est-ce que c'était une opération tout bon vrai ou du moins un simulacre qui t'a fait afin pour être capable de montrer que la police nationale d'Haïti gagne contrôle situation? Chargé d'affaires les États-Unis, Eric William Strohmayer voyait un message piment bouc ben tout le monde qui a financé groupe armé en dans pays d'Haïti et surtout un message ben Jimmy Cherizier alias Barbecue. Ensemble avec moi, nous prenons connaissance de message ça. Divers directeurs et professeurs l'école mandé pour ministère éducation et professionnel là faire une façon pressée pour l'école là lui-même capable l'ouvrir parce que professeur yo même yo pas capable encore. Ensemble nous pourrons suivre déclaration quelques là-dedans yo et aussi nous pourrons faire coup de pied dans Carrefour côté yo t'apprendre yo dernier hommage ensemble avec entrepreneur et homme d'affaires Eric Jean-Baptiste yo été assassiné dans week-end qui s'est passé à là. C'est toute information avec diverses notes qui pourraient faire essentielle actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info Section Information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps, pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage, et merci ensemble avec vous-même qui toujours prend le soin d'inviter vos familles ou vos amis ou abonnés à InfoSec pour être capable toujours gagner bonne information. Nous tout la connaissons aujourd'hui, c'est 4 novembre 2022. Bien avant nous rentrer dans le développement titio, mesdames et messieurs, commissaire gouvernement Port-au-Prince Saint-Jacques Lafontaine, ensemble avec juge principal tribunal première instance Port-au-Prince, Bernard Séville, te passé une visite dans le pénitentiaire côté, yo te décidé à libérer, je sa te promettre déjà 50 moun qui t'a passé plus passé 12 années dans prison, sans que yo pas de jamais un juge. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, à nous suivre. Qui chassa lui-même, lui était déroulé dans la pénitentiaire. Quelque temps, nous avons formé une commission qui t'a penché sur le dossier de détention préventive prolongée. Dans le cadre du travail de la commission, plusieurs réunions ont été faites et nous avons rendu à l'évidence que le cas que nous qualifions de délit mineur, il faut nous pencher sur le plus rapidement possible. Tant qu'on connaît, la semaine dernière, une procédure en habeas corpus pour ce qui était en clan en faveur d'une cinquantaine de monde. Décision a été en audience tenante. Matin, nous là, dans la pénitentiaire nationale, dans le cadre d'exécution ordonnance que nous avons rendue en habeas corpus vendredi dernier. Dimanche, nous sommes venus là, nous avons fait un travail de tri. Ça veut dire que nous avons vérifié les gens. Si tout le monde est relevé des juridictions, nous avons fait une dernière vérification. Matin, là, nous venons exécuter la décision. Et nous pas tenu compte seulement de moun yo comme si pour dire pour lague ou non, mais on connaît objectif prison, c'est garder et réhabiliter. Nous tenons compte également de volet réinsertion sociale. Mais volet réinsertion sociale là, c'est Mme Ketty Julien, IMED qui est responsable de ça. Soutenant dans l'ordre d'après Mme Julien qui prend toute information nécessaire dans mes moun yo pour être capable d'être en contact avec mon yo pour voir comment la faciliter réinsertion sociale là, les sortir dans la prison. Pour au moins, il y a une activité pour faire. Le Sénat avec nous félicitons Binu tout qui était avec nous là, parce que depuis, dès le début, il était impliqué dans le processus là. Il y a d'autres actions en habeas corpus qui parlent tenter là à partir de lundi. Ça veut dire régulièrement, on va toujours nous venir là pour nous venir exécuter des décisions pour nous permettre un nombre important de monde de retourner à la caillou. Les travaux judiciaires ont lancé et que véritablement, détention, nous mettons zoom sur lui, nous mettons cap sur lui pour nous capables de faire venir une vraie réalité. Donc c'est un pas qui franchit aujourd'hui et cap suivre de l'autre encore sur une prochaine. Nous avons entamé, si tout va bien, nous avons entamé l'audience correctionnelle. Et en même temps, toujours une audience à habeas corpus. D'accord? Donc détention, c'est le plus gros morceau que nous avons dans la main par rapport à l'infection au choléra.
prison la dernière un peu partout, notamment à côté de nous là. Et nous avons garanti que nous n'avons pas avancé. Et petit pas, jusqu'à ce que nous prenions de gros pas pour nous capables d'attaquer véritablement la question de détention préventive prolongée. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, d'après information qui t'a arrivé jeune nous, Hélène Lalim t'es fait partie de délégation ça et yo manqué assassiné yo sous bicentenaire là, mesdames et messieurs, gang Iso village de Dieu continue à simer l'intérêt ensemble avec la troublaille. Hier jeudi 3 novembre 2022, mesdames et messieurs, gagne un bus qui assurait trafic Carrefour avec centre-ville qui arrivait victime en babal bandit côté plusieurs passagers s'est sorti blessé. Mesdames et messieurs, qui donc situation lui-même, il continue à prendre route. Complication en dans pays d'Haïti côté jusqu'à présent, pour qu'on ait rien qui change toute journée. Le monter sur les réseaux sociaux, c'est libérer un tel, faire ça pour un tel, ensemble l'argent pour nous faire ça pour un tel. Et bien là, la police nationale d'Haïti lui-même, li pour qu'on gagne contrôle situation à 100%. On rentre directement dans le développement titio. Mesdames et messieurs, je vous annonce déjà, la police nationale d'Haïti arrivée récupérer Vareux après plusieurs heures que ont passé à tirer ensemble avec un groupe G9 en famille et alliés, mais toute là. La primature sortit une note pour le faire connaître. Le gouvernement félicite la police nationale d'Haïti pour le professionnalisme qu'elle a déployé aujourd'hui pour reprendre le contrôle du terminal Vareux qui était sous le contrôle des hommes armés. Dès lundi, les produits pétroliers seront disponibles dans toutes les stations. Gebagay, pas vrai? Nous demandons pour gaz. Nous prenons le gaz. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir la vie sur l'ensemble du territoire national, faciliter la poursuite de la scolarisation des enfants et lancer les travaux de construction que nous avons annoncé grâce à la subvention au prix des produits pétroliers. Ça qui veut dire, mesdames et messieurs, gaz a toujours été dans le prix ça que le gouvernement lui-même était arrivé décider là. Je ne peux pas comprendre, c'est que dans le week-end qui s'est passé à la, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a annoncé que Delphine Palela va à tout libérer. Pour qui ça, la police nationale d'Haïti, t'es obligé de descendre en bas. Gwenye gyo paket moun ki pral di, nou pa ka suppose a bay bandi pie sou la police nationale d'Haïti. Mais non, pa gen personne ki a bay bandi pie. Mais le jour où la situation a déroulé, c'est comme ça exactement ou relatel. Donc, Jimmy Cherizier te gete prévoit libérer Vareux, yo juste al fè yon simulac en bas, koun ya jne jodi a la yodou, yo reprenne contrôle la. Donc, contrôle la reprenne à partir de lundi, n'a jwenn gaz, je sa te prévoit dans popio à $114 pour gaz. Gasoline, mesdames et messieurs, et 665 gourdes pour diesel la kérosène a toujours été dans le même prix. Qui donc là, l'école prêt pour le réouvrir selon le premier ministre Ariel Henry, ensemble avec tout l'autre membre en de gouvernement l'IA. Donc, nous capables que pays d'Haïti lui-même, il suffit que ou gagne yon ti krasa motivation pour yon capable faire travail pour yon faire correctement. Mais les nous suivent bien, mesdames et messieurs, c'est vraiment important pour nous capables de poser tête nous une série de questions. Pour qui ça? Pour qui ça, je dis à la, c'est comme ça bagaille a déroulé. Qui ça qui a passé exactement? Bien avant nous faire un coup de pied la caille Eric Strohmayer, André Michel, dans notre SDP, rencontré ensemble avec l'ambassadeur français, Fabrice Moraes, côté où t'es discuté sous situation que pays d'Haïti a fait face ensemble avec lui. Mais, bah nous faisons un rappel pour. 30 septembre 2019, André Michel t'a déclaré. Nous allons prendre l'ordre dans mes pays étrangers. Secteur démocratique là a accompagné peuple là dans mobilisation jour que nous arrivons de chouquer Jovenel Moïse. Peuple là doit rester mobilisé jour que nous arrivons installer un président avec un gouvernement provisoire dans pays là. Nous allons continuer bataille pour craser le système pesé sous CIA. Même André Michel, ça t'est déclaré. Maître André Michel dénoncé en pile ambassade qu'a fait pression sous opposition pour négocier ensemble avec Jovenel Moïse. Je le dis à la, 3 novembre 2022, 3 ans plus tard, André Michel déclaré, moi t'ai gagné un bel échange ensemble avec ambassadeur français Fabrice Moraes dans résidence. Donc ça veut dire là, c'est la caille Fabrice André Michel déplacé même oui, pour aller faire petite rencontre là.
Eh bien, écoute ça, l'été fait sous situation générale pays, ya, côté, nous te parlé sous négociation politique, yo. Moi, te profité et posé, oh, excusez-moi, exposé parce que yo pas gué droit imposé. Position SDP ak position commission dialogue en septembre 2021. Le dialogue, c'est la seule option. M'songe Jovenel Moïse, t'es presque léché bot moun sa yo. T'es presque niché fot dada yo. Pour t'es capable de chita sous table ensemble avec lui pour discuter de situation pays d'Haïti. Oh oh, je te dis Jovenel. Ou fou, nous avons le temps pour nous faire discussion avant. Mais André Michel, ça avec SDP qui te dit Ariel Henry, pas de provision légale et institutionnelle pour former un gouvernement, je dis à la, pral nan ambassade, à rencontrer ensemble avec ambassade, mesdames et messieurs, nan non accord 11 septembre qui signé et par PM Ariel Henry. Bagay sa m'baka comprendre. Ensemble avec moi, on garde photo André Michel. Voilà, André Michel fin tourne yon ti boule basket. Tête la rentre dans quoi pour y être même c'est pas parler. André Michel presque rentre dans un trou, ça c'est le wap gaspiller l'argent d'état, le gain ministère d'amour, le gain direction, le gain institution d'état d'amour, c'est comme ça ou vivre un gros mosso. Gade gosse André Michel, mes amis, même chaque caipé pas qu'apparaître devant André Michel. Je dis à la n'a réalisé pas jamais de combat qui était fait pour peuple vrai. Au contraire, combat qui t'a peiné, c'était un combat personnel, puis on était capable de river dans l'extrême ça que pays d'Haïti lui-même lui retrouver le jeudi à la. Donc, mais qui sa gouvernement Ariel Henry a tout alcoolite yo a réglé dans pays. Mesdames et messieurs, l'Unité des Nations Unies qui a porté secours avec réfugiés, yo, déclaré dans l'ONU, faut que nous suspendions pimpé haïtien qui a vint dans le pays nous retourner. T'as pris, gué solidarité ensemble avec yo. Nous, ouais, situation, pas facile pour yo du tout en dans le pays. Ensemble, mesdames et messieurs, entendez des déclarations. Chargé d'affaires AI, États-Unis en Haïti, Eric Strohmayer. Bonjour, c'est Eric Strohmayer, chargé d'affaires dans l'ambassade États-Unis dans Port-au-Prince. Les États-Unis gagnent en pile inquiétude pour situation santé et sécurité qui grave en pile en Haïti. Pays arrivé dans une situation qui n'est pas bon du tout avec insécurité tout partout. Côté gangs criminels bloqués et puis limités accès, non gaz et puis rien qu'aimé aide humanitaire en otage. N'a participé dans un gros effort international pour résoudre le problème non. Quantité mounant, élite politique, business et social, en Haïti, à l'étranger, qu'un pays a en otage pour propre profit personnel. Yo se vit avec souffrance ou pour plein poche yo, ou soit réaliser ambition politique yo. Pays États-Unis déterminé pour les rendre criminels sa yo responsable. Département d'État américain, déjà imposé restrictions visa sur moun qui commettait et puis encouragé violence. Acteur malveillant sayo, ak mon famille yo, n'a empêché yo entrer aux États-Unis. N'a continué à ajouter non dans liste yo pendant n'a identifié moun qui la cause situation tragique ça. Quelle autre sanction nous pral prend encore? Action nous pas camper là. Non date 21 octobre, Nations Unies te prend une résolution que États-Unis ak partenaire noir Mexique te proposé. Qui pral imposer sanctions internationales sur responsables sa yo. Malgré que résolution mentionnait spécialement vagabond yore les barbecues. Eric, ti vagabond yo bay pour barbecue wa. Oh, oui, barbecue sont ti vagabond. D'après ça, nous au courant. Mais pour qui soit pression, prétend pour dire l'autre moun yo, moun ka financé gang yo, n'a pas pêché ni yo ni famille yo, rentre en dans pays d'Haïti. Autre moun ka tire avec moun ka financé, à qui est-ce qui pi gang? Donc, faut ta cité ti vagabond pour yo toute la net, en général. En tout cas, c'est ça m'pense. On continue à changer d'affaires. C'est pas lui simplement qui est affecté par décision ça. Nations Unies pral sanctionner acteurs malveillants yo, quel que soit pays citoyen te yo.
Ça veut dire que même si citoyens américains, leurs complices n'ont fait violence avec mettre des restrictions sur accès dans le gaz avec Edio, ou soit participer dans le trafic d'armes, vous pourrez être interdit de voyager dans n'importe quel pays dans le monde. Et y a saisi bien yo. Les États-Unis proposaient tout une résolution des Nations Unies pour autoriser une mission multinationale pour aider nos affaires de sécurité et pour assister dans la situation de choléra et humanité. Ensemble, la communauté internationale, là, nous pourrons travailler avec la police nationale d'Haïti, PNH, là, pour améliorer la situation de sécurité et puis permettre la livraison d'aide humanité qui est nécessaire en pile. Créole parler, créole comprend. L'important pour nous connaître que la propagation choléra, c'est une réalité. Les présents Jolia dans 6 des 10 départements pays. Tant pris, protège tête ou la famille. Si vous malade, cherchez traitement immédiatement. Pas tant l'avant, ni trop tard. Nous restons engagés pour nous supporter le gouvernement haïtien pendant la recherche et freiner le choléra qui retournait dans une façon tragique. Et puis satisfait besoin urgent, peuple haïtien. Demandez tout haïtien pour y mettre des divisions sous côté pour résoudre la crise. Ça. Pas oublier, nous ne pouvons jamais laguer le peuple haïtien. Merci en plus. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter Eric Stromayer, qui s'est chargé d'affaires par intérim les États-Unis en Haïti sur la question de financement des groupes armés en Napéguia. Les États-Unis, comme Kin Kalagadash, plus capables de continuer à aider le pays d'Haïti, sorti de crise ça, que y a pourri la donne depuis quelques temps. Tout action gouvernement faite par en bas, ok? Y aura construit l'école. Yo va construire caille, yo va bay manger jusqu'à présent après ton, nous pas wè rien. Donc toute action gouvernement a fait là, c'est comme si qui j'en nous ka qualifier ça, on bagaille que nous en divan. OK? Nous wè que fatra a plevé, wabou a souké, caille a secoué, mon pa wè qui ça qui vend. Et mais c'est ça, oui, pas ou la réaction du gouvernement là. C'est ça, oui, ou signifie. Je dis à la, mesdames et messieurs, les États-Unis coubé yo, avec tout Canada là, n'importe qui bagay yo vle aide pays d'Haïti ya, et pas pour Rosto, et à pour Blackdo, et à pour Gramesino, yo a gagné à faire pa yo, oui, y a géré en Haïti. Donc nous pensons, c'est en question de remet aider qui la cause, les États-Unis même, les chita là, la focus sous situation que le pays d'Haïti a fait face ensemble avec l'IA. Eh bien, si c'était vrai, bagaille tape trop facile. Pas bien la politique, pas gagner pays amis, seulement gagner intérêt. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'est quoi ça bagaille a passé ensemble avec États-Unis en Haïti. Divers professeurs et directeurs d'école ont demandé pour l'école là capable d'ouvrir. Mesdames et messieurs, puisque il y a pas quatre professeurs qui pas vivre, moun qui kon avant devant l'école puis capable occuper ti moun yo, yo pas gagné capacité pour arriver faire ça. Je dis à la li vraiment important pour nous capable joindre une solution. On suit un reportage ensemble avec VOA Créole. Association l'école Delma Taba mandé pour porte l'école yo rouvrir 7 novembre cap vini là. Selon organisation ça, violation droit élève yo pour yo pas aller l'école a bien gros conséquences sous société. Seyan Yvon. Et violation droit timoun yo pour yo pas aller l'école a bien gros conséquences sous avenir société a. Tant coup 1 réduit capacité intellectuelle timoun yo, 2 gen en pile cap tout coupé fâché avec l'école, 3 créer la paresse ka timoun yo, 4 a bien plus délinquants dans la société. 5. L'école a vint plus banalisée. Association, après plusieurs chita palais, décidé sous nécessité pour établissement scolaire recommencer fonctionner 7 novembre cap vin là. Cependant, yo fait comprendre, yo par contre, toute l'autre association qui pensait le contraire. Nous-mêmes, dans ACETA, qui c'est Association des écoles d'Elma Tabar, ak professeurs, yo, parents, yo, notable qui dans plusieurs communes, après plusieurs chita attendez, nous avons nécessité pour l'école commencer à fonctionner lundi 4 7 novembre 2022. Cependant, nous pas contre aucune revendication, quelle que soit couche dans la société. Seulement, bah, l'école a une chance pour fonctionner comme ça doit. Enseignant l'école ça a mandé l'État pour prendre responsabilité dans garantie sécurité élève et puis responsabilité autour dans question gaz là.
assurer sécurité de Timounio dans la RIA à présence permanente la police. D. N'a demandé SNGRS, CNE, MTPTC et Mairie depuis jeudi à même commencer à nettoyer la RIA parce que Timounio a branché l'école lundi 7 novembre 2022. 3. À cet temps qui c'est association des écoles d'El Matabar, a demandé pour moucher l'État dit un mot dans affaire gaz là. Plusieurs syndicats enseignants estimaient l'important pour activité scolaire reprendre avant longtemps. Dans sens ça, yo mandé acteur politique yo fait un dépassement. Ils veulent admettre. N'a demandé faut activité scolaire reprendre. Faut acteur politique yo font un dépassement du soir pour joindre un compromis dans mi-temps yo qui pour permettre que nous résoudre ensemble des problèmes qui gagne là. N'a souligné gagne plus passé 150 000 enseignants dans secteur privé qui chita la caillou depuis environ 2 mois sans compter plus passé 4 millions de monde qui poko ka pran chimè l'école. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Voilà, nous sommes suivis reportage si là et nous pourrons suivre déclaration yon association, mesdames et messieurs, qui gagne directeur l'école là-dedans, qui a plaigné sous situation que pays d'Haïti a fait face ensemble avec l'IA. Ensemble, entendez déclaration. Parlez ou à souffrir, yon paye l'école là, si moun yon pour aller prendre coup. C'est ça qui fait nous font cri. Parce que nous avons plus de 150 000 enseignants dans le secteur privé qui travaillent en chômage depuis 5 mois sans salaire. Gen machin k'ap vann autour de l'école yo. Après si nous considérons plus de 21 000 l'école, ça veut dire que nous gen près de 50 000 machin k'ap vann autour de l'école yo. Donc sans compter sirène de bot et moun qui fait transport ti moun yo qui gen c'est abonnement ou fait ou pas fait c'est ça ou fait à machine yo. Donc moun ça yo en chômage. Ça veut dire que non pays côté qui était déjà gon taux chômage élevé. Fermer l'école, la dysfonctionnement activité scolaire, ça vient renforcer la pauvreté qui est dans le pays. Le dysfonctionnement activité scolaire, ça vient faire plus de monde qui a coupé de la misère chaque jour. Il y a des familles qui dépendent uniquement de l'éducation. Côté c'est Maria qui a fait l'école, madame n'a pas travaillé, ou bien Maria a fait l'école dans le privé, madame n'a fait l'école dans le privé. Donc je dis à la famille, ça a quitté déjà pas de gros moyens pour économiser, il y a des conditions extrêmement difficiles. C'est ça que fait. Comme professeur, il n'y a pas fait, il pas rassemblé pour faire une manifestation, pour dire au moment du travail, et bien nous-mêmes, syndicats enseignants, nous jouons un rôle de vigile, nous alerter acteurs dans le pays. Acteurs, ça, c'est acteurs politiques, les acteurs société civile, gouvernement, pour entendre, joindre un consensus nécessaire qui pour permettre que l'école reprenne droit fonctionnement dans le pays. Il y a un pays qui pague l'école son pays qui envoie des disparitions. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes et suivons ensemble avec moi déclaration ensemble de Mounsayo pour yo qui vraiment urgent pour l'école là lui-même, li capable réouvrir porte li. Puis devant gagner gros cérémonie d'hommage qui t'est faite dans Carrefour pour Eric Jean-Baptiste entrepreneur ça qui arrivait tomber par balle jusqu'à présent des CPJ pour qu'on capable l'ouvrir une enquête pour connaître exactement qui ça qui t'est passé. Et voilà mesdames et messieurs. C'est comme ça bagaille même yo actuellement là en Haïti et nous pas pour aller sans pas dire que Haïti fait don de riz de nourriture ensemble avec Venezuela. On pas quatre monde a dit pays d'Haïti pauvre, li pa gen rien pour qui ça exactement li a bail. Est-ce que nous pas penser si une stratégie je dis à là tout monde connaît Haïti pas posséder rien. Donc al partager minimum le peu que gagne ensemble avec yon l'autre pays qui dans situation qui compliqué montrer que ou c'est un pays qui ouvre, ou c'est un pays qui besoin d'aide. Tout bon vrai, mesdames et messieurs, moi-même, c'est comme ça que moi. Éphéméride pour 4 novembre 2022, mesdames et messieurs, 4 novembre 1997, désignation d'Hervé Denis comme premier ministre d'Haïti. C'était le deuxième choix que président René Préval lui-même l'été fait après que Parlement t'ait refusé accepter pour Éric Pierre t'ait tourné premier ministre pays d'Haïti après que Wassis Mort t'ait arrivé quitter tête gouvernement 9 juin 1997 qui donc Préval t'ait pris tout le temps avant que l'été présenté Mounio, son nouveau premier
ministre. Et ça nous gagne jeudi à la encore comme éphéméride 4 novembre 2022. Eh bien, jeudi à la dans Gonaïve, il y a célébré Saint Patron, c'est Charles Borromé, mesdames et messieurs. Proverbe de pour jeudi, c'est « Mene koulev l'école, c'est un, faire chita, c'est deux. Mene koulev l'école, c'est un, faire chita, c'est deux. » Et c'est là nous débout à Kroubik de pour jeudi. Merci d'être que vous like, commentez, partagez. Et merci d'être que vous continuez à inviter vos familles, vos amis, abonnez à InfoSec, puis capable de information. Nous vous rendez-vous pour la prochaine sortie rubrique. Restez bien, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Bon week-end à vous tous.